Alors je salue de tout mon cœur tous ceux qui regarderont cette émission. Vous savez que j'habite à Medjugorje depuis très longtemps et je voudrais transmettre aujourd'hui un message qui va changer la vie de vous tous. Vous savez que là-bas, la Vierge apparaît chaque jour à plusieurs des voyants, plusieurs jeunes du village. Et il y a un message qui m'a beaucoup frappée et qui a changé la vie de tant et tant de mes amis. Un jour, la Sainte Vierge a dit « Chers enfants, donnez-moi vos problèmes, donnez-moi vos inquiétudes. Ainsi, votre cœur sera libre pour la prière et priez à mes intentions. » Tous nous avons des problèmes. Qui n'a pas de problème? Tous nous avons des inquiétudes, petites ou grandes. Quelquefois de grandes inquiétudes qui nous rongent, qui nous tourmentent, qui nous poursuivent même la nuit. Et on peut sortir de ça. Et notre maman du ciel nous donne la clé. Et c'est une clé qui marche pour tout le monde et qui marche toujours. Alors, je voudrais donner un exemple. C'est un homme qui est un jour venu en pèlerinage. Il est venu à Medjugorje dans un groupe de Français. Et cet homme s'appelait Albert. Et malheureusement, personne, celui qui avait payé son billet pour venir à Medjugorje dans un bus, avait oublié de le prévenir que c'était un pèlerinage et non pas un tour de tourisme pour se promener en Bosnie-Herzégovine, voir la mer, voir les montagnes et tout, se baigner et tout ça. Alors il était très très inquiet parce que voilà que lui, Dieu n'avait aucun sens pour lui, Dieu n'était pas dans sa vie, la Sainte Vierge encore moins, et il se retrouve avec des gens qui priaient, qui allaient se confesser, qui allaient à la messe, c'était le rosaire, la montagne, les voyants, tout ça, et il se dit « mais je suis perdu moi dans ce monde-là ». Alors il est venu me trouver et il m'a dit « Sœur Emmanuelle, mais qu'est-ce que je fais ?» Je lui ai dit « écoute Albert, la meilleure solution, puisque maintenant tu es là, c'est un fait, suis les autres et fais tout ce qu'ils font et je peux te dire qu'à la fin du séjour tu ne seras pas déçu. » Alors il l'a fait très simplement et voilà que je voyais Albert tous les jours et son visage s'irradiait de jour en jour parce que Albert, en étant sur place dans ce lieu de grâce qu'est Medjugorje, chaque jour découvrait son Dieu, son Créateur, son Sauveur, sa Mère du Ciel, les saints, ce monde qui lui était totalement absent, inconnu et voilà. Alors je voyais son visage s'éclairer et puis le dernier jour, il vient à une conférence que je devais faire aux pèlerins et à la fin de ma conférence, je vois Albert avec une triste mine. Je lui dis « Mais Albert, qu'est-ce qui se passe? Tu étais si heureux tous les jours, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois aujourd'hui si triste ?» Il me dit « Sœur Emmanuelle, c'est à cause d'un message que tu as donné. » Je lui dis « Quoi? Quel message j'ai donné qui t'a rendu si triste ?» C'est quand tu as dit que la Sainte Vierge avait demandé impérativement que nous prions dans les familles, que la famille prie ensemble chaque jour. Parce que ça, c'est strictement impossible. Et comme de ce matin, j'ai fait une sorte d'engagement, de pacte avec la Sainte Vierge, je lui ai dit « Écoute, chère maman, je t'ai découvert maintenant, je ne veux plus te lâcher. Maintenant, je te promets de vivre tous les messages que tu donnes ici de tout mon cœur, parce que je veux vraiment vivre avec toi selon tes instructions. » Je suis trop heureux de t'avoir découvert et trouvé. Alors, je lui dis, c'est bien Albert si tu as fait cet engagement avec la Sainte Vierge, mais qu'est-ce qui... Alors, il me dit, tu sais, ça, je lui ai dit de faire, je lui ai dit que j'allais faire tout ce qu'elle dit, et maintenant, il n'y a pas 24 heures qui se sont passées que déjà, il y a un message que je ne peux absolument pas vivre. Tu sais, si tu connaissais ma femme, tu comprendrais ce que je veux dire. C'est impossible de même imaginer qu'un jour je prierai avec elle. Avec elle, c'est l'enfer. Je ne peux même pas dire « passe-moi le sel » sans que tout de suite elle se mette en colère, elle agressive contre moi. On ne peut même pas faire une discussion normale sur les sujets de la vie quotidienne. Je lui dis « Albert, est-ce que la Sainte Vierge se serait trompée? Est-ce qu'elle aurait dit « donnez-moi vos inquiétudes, vos problèmes et priez pour moi » Sauf Albert dont la situation est complètement impossible. Alors il a ri, mais il a ri jaune. Il a dit « non, je ne pense pas qu'elle ait dit ça, mais... » C'est quand même impossible. Je dis « Albert, j'ai une idée. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas ne pas faire de serment à ta femme, tu vas trouver un coin tranquille et tu vas faire ce message. Tu vas dire à la Sainte Vierge « voilà, je te donne mes inquiétudes, je te donne mon problème numéro un, je te donne ma femme pour que ce soit toi qui t'en occupe et je te souhaite bien du plaisir ». Et pendant que toi, tu t'occupes de ma femme, comme tu l'as dit à Medjugorje, je vais prier à tes intentions. Alors, les intentions de la Vierge, elles sont connues.
La Vierge voudrait que tous nous ayons la paix du cœur, que tous les incroyants puissent trouver la foi en Dieu et avoir enfin une perspective d'avenir pour la vie éternelle et un bonheur sur terre, que tous puissent prier pour les âmes du purgatoire, pour les ceux qui souffrent, pour les mourants, pour les prêtres, pour les pauvres, etc., pour les jeunes, pour les incroyants, etc. Alors, conversion des pécheurs. Alors, tu vas prier pour ses intentions et tu vas voir, elle va s'occuper de ton problème. Alors, il est content et il me dit, ça va, je vais faire ça. Il était rassuré. Et puis, il revient vers moi et me dit, tu sais, c'est embêtant quand même. Je suis très isolée dans mon village. Il y a personne qui croit. Je vais être très isolée. Ici, on a la prière, on a la messe, on a le soutien des franciscains, des voyants. On a ce peuple qui prie. On est soutenu, on est porté. Chez moi, ça va. J'ai peur, tu vois, il faudrait que je revienne. Ce qui serait bien, c'est que je revienne au moins, sinon tous les 6 mois, mais peut-être tous les 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ici pour me retremper, me recharger. Mais on n'a pas d'argent dans la famille. Je ne vais pas pouvoir revenir avant au moins 3 ans. On a des dettes, voilà, je te le dis franchement. Donc ça ne va pas être possible. Et ça me pèse parce que ce désert en France, là, c'est très pesant. J'écoute Albert. Pars en paix, la Sainte Vierge va s'occuper de ton désert, de la France, et tu verras, tout va bien marcher. Fais ce qu'elle dit et tu verras. Il s'en va dans la paix. 3 mois plus tard, qui je vois dans un groupe de pèlerins ? Mon Albert qui était revenu. J'ai Albert, t'es revenu ? Mais comment t'as fait ? Alors il me dit, c'est ma femme. C'est elle qui m'a forcé. Je dis, quoi ? Ta femme ? T'es venu avec elle ? Oui, il faut que je te raconte. En privé, il faut que je te raconte. Alors on s'est pris comme ça un petit coup en privé. Et je lui dis, raconte. Bien que ce soit Emmanuel, le troc qu'on avait fait. Ça a complètement bien marché. Quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas fait de discours à ma femme. Je l'ai laissée tranquille. Elle était comme elle était. Bon, j'ai trouvé une pièce. Mes enfants sont mariés. Il y a des pièces libres. J'ai élu une pièce dans la maison. Et je me suis dit, là, je vais prier chaque jour. Je vais suivre les instructions de la Sainte Vierge. Je suis arrivée dans cette pièce. J'ai mis une image pieuse, un crucifix, tout ça, un peu d'eau bénite. Et j'ai commencé à faire mes prières, mais tout de suite, j'ai été claire avec la Sainte Vierge. Je lui ai dit, écoute, voilà le message que tu nous as donné. Donnez-moi vos problèmes, donnez-moi vos inquiétudes. Ainsi, votre cœur sera libre pour la prière et priez à mes intentions. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, cher Gospa, chère Sainte Vierge, je te donne mon problème, je te donne ma femme. Occupe-t'en pendant que je prie à tes intentions. Et moi, je vais prier pour toutes ces intentions-là que tu nous as confiées. Et j'ai fait ces prières tous les jours, jusqu'au jour où peut-être 3 semaines plus tard, la porte s'ouvre et ma femme entre dans la pièce et commence à me gronder, à m'agresser des paroles méchantes. Albert, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as à t'isoler comme ça tous les jours? T'es devenu bizarre et tout. Qu'est-ce que tu fais? Ma femme, je prie. Tu pries? Mais c'est n'importe quoi, tu pries maintenant, mais c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que c'est d'abord la prière? J'ai dit, ma femme, écoute, tu sais, moi je ne suis pas un prêtre, je ne peux pas vraiment t'expliquer ce que c'est que la prière. Le mieux c'est que tu t'assieds là, voilà, assieds-toi là, et tu vas écouter mes prières, et comme ça tu sauras ce que c'est que la prière. Eh bien ma soeur, vous savez quoi? Elle a accepté, elle s'est assise, et j'ai fait exprès de prier à haute voix pour qu'elle entende toutes les prières que je disais, le chapelet, les prières spontanées, les psaumes, tout ça, elle écoutait tout, et elle était tranquille. Déjà, premier miracle, elle était tranquille. Et puis alors elle revenait un jour, un autre jour elle revenait pas, un autre jour à chaque fois, ma sœur, elle était tranquille. Je voyais bien que quelque chose se passait qui n'était pas habituel. Jusqu'au jour, après plusieurs semaines, elle me prend par les épaules, elle me dit maintenant, Albert, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ton Medjugorje? Alors là, ma sœur, j'ai tout raconté, les apparitions, les prêtres, les signes, la montagne, les prières, les messes, les messages, tout ça, les grâces, les guérisons. C'était comme à Lourdes, on voyait des gens se relever, tout ça. Incroyable, j'ai vraiment tout dit. Et après, vous ne savez pas ce qu'elle me dit ? Elle me dit, mais alors Albert, si c'est ça, Medjugorje, il faut qu'on y aille tous les deux. Alors je suis restée assise. Et puis bêtement, je lui ai dit, mais ma femme, tu sais bien qu'on n'a pas l'argent. Elle me dit, Albert, l'argent, les billets, je m'en occupe. Ma sœur, les femmes sont les femmes. J'ai toujours pas compris comment elle avait fait. Toujours est-il que les billets, on les a eus. Et nous voilà. Et alors, il pleurait en me racontant ce témoignage. Et moi, je pleurais parce que devant un tel témoignage, il m'a dit, vous savez, ma sœur,
la Sainte Vierge a complètement restauré notre famille. Maintenant, on s'aime plus qu'on ne s'est jamais aimé avant. On se parle, on prie ensemble, on échange, on partage. C'est vraiment une vie de famille entre elle et moi maintenant, mais complètement guérie, restaurée. C'est une joie d'être avec elle maintenant, ma sœur. La Sainte Vierge a fait un miracle. Alors, il pleurait. Mais il me dit, vous savez, ma sœur, maintenant j'ai un nouveau problème. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ? C'est que maintenant ma femme, elle court tellement devant moi dans la vie spirituelle que maintenant c'est moi qui fatigue pour la suivre. Alors après j'ai été voir la femme et je lui ai dit, alors racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Elle m'a dit, c'est tout simple ma sœur, vous savez, quand j'ai entendu mon mari, il priait pour les âmes du purgatoire. Ça m'a rappelé toute mon enfance quand avec ma mère, je priais pour les âmes du purgatoire et je disais des chapelets. Et la paix que j'avais dans mon cœur, cette paix, elle revenait en entendant mon mari. Une paix que j'avais perdue depuis mon enfance, ma sœur. Quand j'ai tout largué à l'adolescence, je me suis plus occupée du bon Dieu. J'ai tout laissé, j'ai tout fait passer par derrière. Dieu n'avait plus aucun sens pour moi parce que j'ai voulu vivre la vie moderne et tout ça. Je retrouvais cette qualité de paix que j'avais dans mon enfance. Et alors j'ai dit, un jour j'ai craqué, j'ai dit, allez, raconte-moi tout. Et maintenant nous voilà, la Vierge a guéri notre famille. Je répète alors ce message. Chers enfants, donnez-moi vos problèmes, donnez-moi vos inquiétudes. Ainsi, votre cœur sera libre pour la prière et priez à mes intentions. Et tous, je crois qu'aujourd'hui même, dans la prière, nous avons quelque chose à donner à la Sainte Vierge. Une inquiétude, une souffrance, une épine dans la chair, un problème qui semble insoluble. Elle saura s'en occuper. Donnez-lui. Et puis si ça fait l'effet boomerang, que le problème revient, commence à nous obséder à nouveau, on lui redonne. Et peut-être qu'on aura 10 fois dans la journée l'occasion de lui donner le problème. Mais ça vaut la peine. 10 fois, on recevra la grâce. Essayez, vous verrez, ça marche.